en voulant draguer le chenal de la Seine, on a baissé effectivement son niveau et on s'est approché du niveau d'enfouissement de tous les gestionnaires de réseau. Et donc chaque gestionnaire a été interrogé pour voir si cet approfondissement était compatible avec la sécurité de chacun des réseaux. Pour GRTGaz, on a eu une difficulté sur un des ouvrages que possède GRTGaz où effectivement il n'était plus compatible avec le nouveau fond du chenal. De façon générale, GRTGaz adapte en continu ses infrastructures pour répondre aux besoins, par exemple, des collectivités dans le cadre de leurs projets d'aménagement. Dans le cas du chantier Traversée de Seine, il s'agissait de proposer au port la meilleure solution technique pour répondre à son besoin.